Bah oui, mais ah, ça vient de se mettre à jour. Ah bah, chérie, tu viendras réparer mon boîtier de capture avec Windows? Parce que ça démarre pas. J'ai essayé 10 fois. Suis sûr qu'il va démarrer après, mais... Oh, le loading des enfers. J'ai pas pris ma tasse, mais je suis en vraiment... Le magnifique loading, ça m'a rappelé le loading de Last Year. Salut HGM aussi. Salut Livnaï. D'ailleurs, je dis bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour Les Spolpi, bonjour John, bonjour Monsieur Oeuf. Salut qui es-tu? C'est les seuls que je vois. Hey! Tu te rappelles de la rumeur dont je t'ai parlé? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment. Cette école serait là où la rumeur a démarré. Non, tu plaisantes. La rumeur est comme ceci. Une fille a été tuée. Non, c'est tuer, kill herself, dans les toilettes des filles. Au troisième étage, je suppose, le stall. Ouais, c'est le troisième étage. Elle a saigné jusqu'à mourir. Enfin, elle s'est suicidée, quoi, avec un couteau. Super. Giant Knife. Ah oui. Presque aussi gros qu'un couteau de cuisine. Red Skirt, je sais pas ce que c'est. Moi et l'anglais. Petite traduction en live. Elle a une jupe. Elle avait une jupe rouge. Elle portait le même uniforme que tout le monde. Sauf qu'il était rouge, quoi. Parce qu'elle a trempé, c'est ça, ses vêtements dans le sang, je suppose. Oui, il y a déjà une barre de stamina dans son propre sang. Ouais, c'est ça. Je parie sur une batterie. Ah, je parie moi sur une barre de stamina, moi. Attendez. Ah. Where is Mighty? Je l'ai bien planqué. C'est un très joyeux, c'est ça? Ouais. Ah, le suicide, le Japon, les écoles, tout ça, la pression sociale. Tout ce qu'on aime. Thématique qu'on aime. Left button to interact, ok. Alors, attendez. QWERTY. La base, hein. Change le clavier. Ah, n'hésitez pas à me dire pour le son, hein, si vous pensez que c'est trop trop faible. Bon, pour l'instant, ça gueule pas. Table pour l'inventaire. Vous pouvez aussi switcher d'item avec le scroll. Ok. Pour ma barre de vie. Est-ce que c'est assez vert pour vous? Apparemment, mes amis me suivent. Yume et... Et Eri. Ça va, je vous éclaire bien. Mais qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous regardez? Il y a un truc? Un truc au plafond? Ah, c'est glauque déjà. Arrêtez de me regarder comme ça, vous me rendez nerveux. Not this way. Not this way. D'accord, bon, on va aller par là alors.
Ah, faut monter. Tu as un chapeau de Bigouden. De quoi? C'est ça, l'explication logique pour l'endroit où elle regarde. Ah, par contre, on voit rien avec. Ah, je peux concentrer ma lampe. Est-ce que je peux l'éteindre? Parce qu'elle est trop forte. Un truc qui est écrit en japonais, mais je sais pas ce que c'est. Le bruit. J'ai l'impression que c'est une décharge électrique, vous savez. Ah, il y a un objet. En fait, on voit des points d'intérêt à travers les murs. Deuxième, troisième. Ça pue. C'est une super idée de faire de l'urbex dans une école la nuit. Ah ouais, t'as raison. Ah, je vais arrêter. Oh, merci. Ouais, c'est écrit en japonais, je comprends. Je comprends tout. C'est écrit faites pas les fous. Bon, on va rentrer chez nous. Regarde quand même, regarde, c'est trop chelou. En plus, il y a l'ombre qui déconne là. J'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a un fantôme derrière elle. Avec l'ombre là. D'accord que ça va finir sur un screamer au bout de 20 minutes. Peut-être. Mais Yoshi's Island Hard, c'est des jeux quand même un peu plus. Où il y a des choses à faire normalement. Bon, allez-y. Je vous laisse. Moi, j'y vais pas. Hein. Ah, c'est bien, on apprend les poissons. Toute façon, on sait très bien que les Japonais ils sont obsédés par les crabes, les poissons, les produits de la mer. Ce qui est un peu normal, hein. C'est un petit peu leur. C'est un petit peu leur quotidien. Bah, vas-y, tape sur la troisième. Moi, bah, j'y vais pas, hein. Attends, je rentre dedans. Chulaidu. Spin. Ah, c'est genre ouvrir. Attendre. On va attendre. Ouais, je suis pas pressé, hein. Je mesure vraiment 3 mètres de haut en fait. Ouais, je sais pas, mais regarde, genre, mais. Et regarde mes cheveux. Si on suppose qu'elles font 1m40, tu vois, je fais peut-être 1m60. Ah non, je tourne sur moi-même en fait. Ah oui, je spin vraiment, je tourne sur moi-même. Faut le faire combien de fois? Il y a une règle, faut le faire 3 fois. C'est la règle des 3. Tu vas voir, à un moment donné, elles vont disparaître, ces idiotes. Candyman. 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 Oh putain! J'ai eu un truc derrière vous, hein. Les filles, on va arrêter, je crois. Knock free time. Mais si, c'est ça, c'est la règle des 3, quoi, le truc dégueulasse. Anako-san, jouons ensemble. Anako-san, jouons. Par contre, les chiottes, ils font 5 mètres. Oui. Je peux rien faire, hein. Je veux pas rester ici plus longtemps. Je pense qu'on devrait y aller. Bah, je suis d'accord, mais je peux pas bouger. Je suis déjà possédé, là. Aidez-moi! Ah, si, c'est bon. Putain, il y avait un bug. Cassons-nous. C'est quoi ce bruit? Ah!
Faut pas jouer dans son caca. Oh putain. Allô? Je crois que j'ai ramassé un savon. Je sais pas ce que c'est. Un savon dégueulasse. Bien dégueulasse de l'école. Par contre, il y a un problème d'éclairage, c'est un truc de ouf. Vous pouvez courir, mais attention, des ennemis peuvent vous entendre. D'accord. Hi, Adolfinia. Yo, Naigara, comment ça va? C'est bien, Anako-san, tu vas t'amuser. Il y a un indice, c'est sûr, sur l'affiche. Je suis pas sûr. Ah, faut la clé du... de la première classe. Clé numéro 1. Et il va falloir que je trouve des batteries, hein, tout de suite. Hein. Oh, mais il y a 50 clés. There is no problem, Adolfinia. I will sleep on your stream tomorrow. No problem. Ah, attendez, il y a peut-être un truc à faire là. I'm too short. Ah oui, je fais vraiment 1m60, les autres faisaient 1m40. Hein. C'est certifié. Ah? D'accord. No, you can't. Ouais, j'ai été TP, ouais. Enfin, j'ai été TP, Ah, t'as raison, j'ai été TP, je suis au premier. Tu as raison. Je viens de m'en rendre compte. Ouais, donc c'était la clé du premier. Qu'est-ce que c'est que cette courbe, genre? Alors, surtout, portez votre masque. Vous voyez, c'est d'actualité. Hein. Ne buvez pas trop d'eau. Qu'est-ce que c'est que ce clown? Il y a des trucs chelous au Japon. I will be there for... Ooh. You don't want to play this one, Adolfinia? Putain, Silent Hill-like, quoi. Bloody shoelocker. Ok. I think we need to put the shoes here. Je pense qu'il va falloir ramener les chaussures, mais... Je suis pas rassuré, là. On se casse? Non, c'est une porte en JPEG, je ne peux pas sortir. It's a Japanese school at night. There is no problem. It's safe. Ah. Putain, mais déjà le bruit que je fais de malade dans le couloir. Si on m'a pas déjà attrapé, c'est un miracle. On peut le prendre, ça? Il y a des goodies. Dans Chill Arts, il y a des fois des petits goodies comme ça, des trucs qui traînent. Je n'aurais jamais cru que j'allais être poignardé par alors ce grudge, c'est quoi? C'est des remords, en fait. Enfin, c'est une à des sentiments exacerbés de... Parce qu'il y a le film The Grudge. C'est genre la vengeance, quoi. Enfin, c'est pas la vengeance, mais je sais pas comment dire ça. The Grudge. Attention, traduction de qualité. La rancune. Je cherchais. Tout ce que j'ai fait, c'était de prendre de l'argent. Je me sens pas bien. Je me sens mortifié. Je pense que là, on peut le dire. D'après Diple. Ouais, c'est ça, c'est la rancune, ouais. Mais c'est pour ça, The Grudge, en fait. C'est des fantômes qui viennent se venger. Enfin, qui viennent pas se venger, mais qui restent sur place et qui ont toujours de la rancune. Les poltergeists, quoi. J'aurais dû... j'étais supposé rester plus en vie et... Enfin, avoir une bonne vie, quoi. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Nous n'avons pas joué depuis un certain temps. J'ai entendu une voix assez jolie. Et tu es Anako? Oui.
Tu peux enfin me voir. Les gens d'habitude, often come. D'habitude viennent ici pour jouer avec moi. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Ça va être amusant. Ouais, ressentiment, ouais. Ça. Ah, mais c'est le peintre hollandais, là. N'apprends pas que des bêtises hein, dans l'école japonaise. Anako, where are you? I'm coming for you. Oh. Il y a des détails, c'est bizarre, mais ça me sert à rien en fait, ces petits goodies. Ah d'accord, c'est une salle d'art, c'est pour ça. C'est Van Gogh, c'est ça? Je cherchais son nom. Musique. Allez, je sais pas ce que c'est ça. Infirmerie. Apparently, I can run, but the game told me if you run, you can die. Ah la vache. Bon, en gros, il y a toutes les. Là, on est sur tous les trucs de. Tu fais le tour là? C'est quoi cette salle? Ah, c'est la salle du début. Bon, on est bien ici, hein. Je propose de rester en position fœtale ici. Très bien. Van Gogh. C'est Van Gogh. Le Van Gogh. Non, je pense pas qu'il y ait de map. Mais ça va, c'est facile. Bah, vous avez pas retenu les salles? Ah ouais, la cave. J'ai hâte d'y aller. J'ai vraiment hâte d'y aller, la cave. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est de l'argent japonais, en fait. Vieil argent japonais. Je me sens bien près du... de l'hôtel. Et je crois entendre... argent. Adja! Ah, je pense que pour sauver, il faut donner une pièce. J'oublie à partir de deux salles. Ah, écoutez, on va pas save tout de suite. On va un peu faire le tour. Non, en théorie, j'ai fait le tour par là. J'ai l'impression qu'au premier, on est à peu près safe. J'ai bien dit à peu près, hein. Vous excitez pas. T'as le bruit des enfers. L'argent parle, l'argent est tout. Les gens ne peuvent pas vivre sans l'argent. Ils disent que l'argent est tout, enfin n'est pas tout. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que l'argent? Putain, c'est qui a écrit ça? C'est Balkany? C'était l'enfance de Balkany au Japon en fait. Si l'argent n'était pas aussi important, alors donnez-moi tout votre argent que vous avez. Les gens disent que c'est pas bien de prendre de l'argent. Je pense que c'est de leur faute. Qu'il soit pris. Baloukani San. Baloukani San. Laisse l'argent de. Des vacances scolaires tranquilles. Lâche cet argent. Je ne veux pas le perdre. Voler votre argent. C'est votre faute si vous faites voler. Ok. Quelqu'un de sympathique, hein. Il y a une histoire d'argent. Il y en a un qui est obsédé par l'argent. Je sais pas s'il y a un fantôme frappeur qui va arriver avec des pièces pour venir m'agresser. Attends, mais c'était ouvert tout à l'heure, non? Makemongo! Daskete! Faudrait que tu l'appelles trois fois, t'as plus de thunes.
Ton compte en banque a été vidé. Oh, heureusement tu es ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je me suis réveillé, j'étais au deuxième. Et j'ai entendu un bruit en bas. Du coup, je suis venu. Attends, on fait trop de bruit. On a juste besoin de trouver comment. Enfin, voilà, je me suis retrouvé devant ces stores fermés. Prends cette clé et trouve le club. J'ai entendu que le son venait de la piscine. Ah, c'est pas moi que t'as entendu? Sois prudente. Ah, tu me dis, vas-y. Vas-y, débrouille-toi. T'as pas les autres clés? T'as que la clé de la piscine? Bon, apparemment, faut aller dans la piscine. Dans la piscine, ça a l'air bien. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il va falloir aller voir ces générateurs, non? Peut-être des mecs. Est-ce qu'il y a un indice? Ah, attends, elle m'a dit la piscine. Je l'ai pas vu la piscine. J'ai pas envie de courir parce que je sais ce qui va se passer si je cours. Jack a fait un bruit d'enfer. Parce que je pense que c'est une fille aussi hein, que je dirige. C'est ici la piscine? Ah! C'est sympa, bon. Toi, Nako? Regardez qui on a là. Un visiteur? Fais attention. Je crois sentir qu'un. Alors, Wanderer, c'est un truc de magie, ça. Wanderer, c'est un magicien, non? C'est autre chose. Un vagabond. Un rôdeur, ouais, c'est ça. C'est rôdeur dans Donjons et Dragons. Mais c'est un vagabond, quoi. Tu t'es trouvé une flashlight? C'est bien. Ils ont peur de la lumière naturelle du monde. Bien que la quantité de lumière que tu vas avoir besoin pour chaque rôdeur est différente. Tu vas devoir concentrer la lumière. Si tu veux te protéger, quoi. La vision que tu viens de voir. Ah. Anako t'accueille. Super. Fais pas la folle, hein. Ah, la gueule. Vous avez une sacrée conjonctivite, madame, hein. Faut soigner ça. Ah, je peux pas aller par là? You don't want to get wet, oui, bah ça c'est sûr. Ah, peut-être falloir vider la piscine, non? J'imagine, parce que je vois des tuyaux qui partent de partout. À un moment donné. Attends, c'est la salle où j'ai vu la vision. Hein. Je sais pas si on est chaud pour y aller. Hein. Ah, c'est en train de m'apprendre comment. D'accord, on peut appuyer sur F pour la sortir vite. Oh putain! Mais elle est vénère!
What? J'ai pas assez? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh merde, elle traverse! Au secours! Ah, je m'en fous, saute dans l'eau. Je vais être sûr que j'avais payé le fait d'avoir joué avec la lampe pendant tout le jeu. À se taper toutes les tout le folklore japonais là, avec des créatures dégueulasses. Je m'attendais à une petite fille, tu sais, genre avec un couteau, pas un monstre dégueulasse. Il y a un premier pic de difficulté là, ouais. On va sauvegarder sans jouer avec la lampe. Take your time. Non mais déjà regarde ça, regarde le bas de plafond quoi. Vous avez déjà vu des bas de plafond comme ça? Parce que là c'est 2m50. Là il y a un bas de plafond d'1m90. C'est violent quand même. Bon, je sais qu'ils sont pas grands quand, au Japon mais quand même. Ça marche, John. Écoute, à plus, bonne nuit. Ah, c'est bizarre que ça me met niveau 5 alors que c'est le troisième. Je spin. Wouh! Deuxième spin. Troisième spin. Bonjour. Frapper trois fois. Anako. Veux-tu jouer avec moi? Anako-san. Oui, là j'avais eu un bug. J'ai appuyé sur tab pour me débloquer. Il faut appuyer sur tab en fait pour se débloquer parce que des fois le jeu il bloque. Est-ce que j'ai voulu m'éloigner? Ça a bugué, non? Je sais plus. Ah, voilà, on entend le son. Hein. Je sais pas pourquoi vous avez peur. Non, faut que j'arrête de faire ça. Par contre, si c'est une petite fille comme ça qui s'est suicidée, tout va bien. Apparemment, c'est pas elle la pire. Hein. Elle est là direct. En fait, elle a trouvé la clé sur le chemin, quoi, en fait. Alors, je sens qu'on va, on va sauvegarder. Jusqu'à qu'on maîtrise le niveau de la piscine.
Ça a marché? Je pense que ça a marché. J'ai un doute. De toute façon, je vais l'allumer là, le monstre là. Je m'attendais pas à voir un ogre avec plein d'œufs là, dégueulasse là. Ou un yoki. Un yokai. On dit un yokai. Ou un oni. Y'a rien ici? C'est la même classe. Ouais, je crois qu'il y avait rien ici. Ok. Deuxième round. Parce que je me fais bombarder de messages. Là, j'allais fouiller, non? Ah oui, j'étais là. J'étais passé devant. C'est quoi ce truc-là, là? Des petits cœurs. Des petits cœurs, c'est tout mignon. Ok. Qu'est-ce qu'on a vu en fait? C'est sa tête qui est tombée ou un œil? Ça, c'est une clé. Je sais pas ce qui est tombé. Oui, Naegara, il l'a fait, Eraz, ce jeu. C'est le dernier Sheila Hearts, en fait. Quand il l'a fait, j'avais pas le... Moi, je l'avais pas encore. C'est le seul que j'avais pas fait, en fait. Et je l'ai acheté il y a pas longtemps. Il y a eu des promos en fin d'année, je crois. Début d'année. Emergency, c'est ça? Non, électrique. Electricity. Ah, de la batterie. Moi, comme un con, j'ai foncé direct là où fallait pas aller. Peut-être pour l'atterrir sous les douches, là. Ouais, les gros tuyaux dans les tuyaux, la couleur, ça. C'est bon? Merde, non, c'est pas bon! Vite! Mais merde! Mais ramasse la pile! En plus, il y a une clé en plus! Il y a deux piles et une clé! Putain! Ah, ça va être chaud, je sens. Alors peut-être qu'il faut... Ouais, j'ai bien fait de sauvegarder. Peut-être qu'il faut l'attirer, repartir et revenir plus tard, en fait. Parce que je sens que la confrontation directe, ça marche pas. Oh, attends, mais Yumi, elle est en PLS. Enfin, je la comprends. C'est là, non, c'est pas l'électrique. Bon, en tout cas, il y a une deuxième clé là, là où elle l'a fait tomber. C'est la clé qu'elle a fait tomber. Là, le monstre est apparu. En fait, t'as fait apparaître des monstres d'une autre dimension, c'est quoi le bordel? Ouais, c'est un œil, je sais pas ce que c'est. On a eu géant.
Et après, ce que j'ai compris, en fait, dans Chill Arts, il y a les devs de départ, il y a des devs annexes, enfin, il y a d'autres gens. Et ceux-là, ce sont pas les devs de départ, en fait, qui ont fait ce jeu-là. Mais il a l'air cool. Attends, c'est au hasard les items, comment ils sont placés? Elle était pas par terre la clé? Ah, je me rappelle pas qu'il y avait deux piles déjà. Mais je sais pas si on peut le tuer. Peut-être essayer de m'enfuir en fait. Pour voir si je peux pas revenir plus tard pour... poursuivre? Mais non. Mais meurs! Il va mourir! Merde! Mais il meurt pas! Il court vite! Mais c'est complètement con! Peut-être viser tous les yeux, comme ça. Je comprends pas! Comment il l'a passé, Raz, le premier mob? Comment il l'a passé? Je lui ai tout mis! Ah, peut-être qu'il faut que je fonce vers la porte pour l'électricité, hein. Peut-être. Hein. C'est un trigger à la con. Faut électrocuter ou je sais pas quoi. Parce que ça ne fait que le ralentir. Hein. Ça ne... Et encore, ça le ralentit à peine. Attends, on va chercher. C'est quoi le... C'est où la réserve électrique? Mais ce qui m'embête, c'est que la deuxième clé, je ne sais pas ce que c'est. Je voudrais bien la choper, mais... Dodo Mickey. Ah, c'est là. Dans ce coin-là. D'accord. Donc c'est tout de suite... Il y a un truc à faire dedans? Des panneaux électriques, je ne sais pas. Peut-être qu'on va remettre toute l'électricité, que ça va s'allumer d'un seul coup, j'en sais rien. Et qu'il va être aveuglé. Peut-être, hein. Je pense qu'on va foncer plutôt vers la... Vers ça, en fait. On verra bien, hein, si ça marche. Elle est pas si loin que ça, la porte, hein. On va y arriver. Cette fois, c'est la bonne. Apparemment, je peux pas passer tous les dialogues, donc ce serait bien d'y arriver cette fois. Pour pas tout se retaper. Ah, et donc... Ah, c'est ça, c'est au hasard. Hein. Des fois, j'ai deux piles, des fois, j'en ai une. Alors du coup, vous savez quoi? Je vais même pas y aller. D'abord. Je vais voir ce qu'il y a dans le local électrique. Peut-être que je vais trouver une lampe plus puissante.
très bien. Ah! Il manque un levier. Putain, mais c'est quoi cet endroit? Putain, par contre, c'est balèze! C'est quoi ces compteurs électriques de ouf? Il y a combien de compteurs électriques dans cette école? Donc il manque un objet. Il faudra que j'aille chercher la clé derrière lui. Oh putain. J'aurai jamais le temps de ramasser des piles par contre. Ah sinon je cours dans la... Dans la pièce où c'est éclairé. Ah mais elle est loin. Je me fais rattraper en 2 secondes. Oh, mais vachement long là. La salle, elle est tout au fond. Ah oui, là il y avait un document. Ouais, il est vachement loin. Ça va que la lampe n'use pas les piles tant que tu n'intensifies pas le rayon. Ah oui, non, je crois pas. Ouais. En effet. Je regarde hein, s'il n'y a pas un objet qui m'avait échappé, mais c'était que des goodies. Hein. Sculpture. Ah, il va falloir faire quelque chose avec la sculpture. Pas tout de suite, apparemment. Ouais, donc là, le problème, c'est qu'il va falloir courir. Vachement loin la porte hein. Si je veux m'enfuir ici ou au bout là dans le sanctuaire. Peut-être qu'ici avec la lampe il va cramer naturellement. Tiens, prends cette pièce. Elle est pas bien hein. Bah écoutez, je pense que le, ouais, le plus direct c'est par ici. Hein. Je me pine direct. Je pense qu'on va reculer jusqu'à atteindre une des salles au bout. Peut-être que ça va le faire disparaître, j'espère. De toute façon, je sauvegarde pas tant que j'ai pas récupéré ce qu'il y a derrière là. Parce que... Sinon, faut faire le tour de ça, mais ça va pas être suffisant, je vais pas gagner assez de temps. Direct quoi. C'est de les faire perdre du temps mais ça sert à rien là. Merde. Oups, F. Putain c'est quoi que j'ai ramassé? Merde, merde. Non. Oh putain. Classroom 1. Ça m'aide pas. J'essaye de fermer des trucs derrière moi, mais ça, je pense que ça sert à rien. Putain, mais prends-toi les rayons! Oh. Attends, à moins que j'arrive à le bloquer dans l'espèce de douche. Bon, de toute façon, ça sert à rien d'ouvrir le truc électrique, ça m'aide pas. À moins que j'arrive à le bloquer là au truc des douches là, je vais lui mettre le rayon dans la gueule. Et je me demande s'il faut pas tourner autour de lui en le cramant, cramant tous les yeux, je ne sais pas. Et je suis étonné que ça le tue pas quoi, qu'il se casse pas quoi. Je peux essayer d'atteindre la sauvegarde hein, mais c'est ça m'a l'air compromis hein. Si c'est bien un endroit où on peut pas se faire agresser. Hein. Ça c'est pas dit ça. C'est pas parce que c'est un point de sauvegarde que, que je peux pas me faire agresser. Ça dépend des jeux. Tu veux une pièce ? Ce qui est marrant, c'est qu'on sauvegarde avec des pièces, justement.
Avec l'histoire là de Domokin. Domeki. Ah mais tout à l'heure, j'ai bien claqué au moins deux piles sur lui. J'ai l'impression que ça sert à rien. Oh, cette fois on a la bonne RNG. Eh, on a la bonne RNG, hein. J'ai 4 piles. Limite, j'ai envie de sauvegarder. Juste pour voir si je peux le tuer, en fait. Je vous assure. Je vais juste sauvegarder pour garder mes 4 piles, là. Et lui foutre dans sa gueule. Quoique, je peux le faire sans sauvegarder. Allez. On va tourner autour. Là, je vais pas lâcher l'affaire. On va bien voir s'il crève. Non, mais genre, c'est un boss d'entrée, tu sais. Faenolobosu, Zdra. Au bout de 5 minutes de jeu. Ouais, je vais le bloquer comme ça. Et il avance quand même. Ah, le pass-fending, le pass-fending. Y'a pas d'évolution là, il meurt pas là. Je ne sais pas. Putain, mais il s'arrête 3 secondes quoi. C'est pas possible. Il y a un... Il faut trouver le bon oeil. Je ne sais pas. Il suffit de sa main là. Attends, je vais arrêter de la pousser parce que je vais mourir. C'est complètement con. Non mais c'est débile. C'est pas possible. Ça marche pas. En plus, ça l'arrête que 10 secondes. Ouais, je sais pas, je vais courir direct. Je vais tirer des rafales et je vais courir jusqu'à la save. Je vois pas comment m'en sortir autrement. Je vois pas comment faire. Ah, le jeu, il commence bien, hein, sur les chapeaux de roue. D'aller me cacher, j'ai l'impression surtout qu'il me cible. J'ai l'impression qu'il me lâche pas. En plus, il s'arrête pas longtemps. Hein. Il s'arrête à peu près 12 secondes et après il redémarre. Donc ça me paraît difficile de le semer, en tout cas. De le semer normalement. J'ai la moyenne RNG. Ça peut monter jusqu'à 4 piles. Hein. Batterie. C'est parce que je ramasse des batteries, c'est ça, depuis tout à l'heure. Merci, le jeu. Pas trop m'avancer. Hein. Je lui fous dans la gueule que si je suis pas courir. C'est-à-dire maintenant. Putain, mais mon perso, endurance dans asthmatique encore. Il me poursuit. Hein. Je l'entends. Il me cherche ou... Il est au bout ou pas là? Je suis pas sûr.
Je sais pas. Perché. Fermé. Je pense pas qu'il puisse venir au sanctuaire, mais bon, je parierais pas là-dessus. Je l'entends toujours, hein. Je sens qu'il va me faire chier pendant tout le... toute la première phase. Je pense qu'il est coincé dans un mur. Que dès que je vais repasser droit, il va me courir après. Là, je suis vraiment un ninja. Soit on fait plein de bruit, soit on fait zéro bruit. Je pense qu'il est coincé quelque part là-bas. Je pense que ça va me faire chier à un moment donné, mais bon, pour l'instant, ça m'arrange. J'ai pas... Je vais pas courir parce que... Ah oui, j'avoue, en accroupi, je vais plus vite en fait. Non? C'est une impression ou... Peut-être pas trop traîner quand même. Bon, ok, apparemment, c'était Classroom, c'est ça? Classroom 1, ok. Ah, je vois ma barre de vie, 80%. Putain. 20% par coup, hein. 5 coups, je suis mort. Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va plus vite, mais j'ai l'impression que c'est qu'une impression. Non? Est-ce qu'il y a une impression? Ta 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 la. Ta 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 la. Pour le couloir. Storage KA. Je contente des trucs. S'ouvrir ou... Je sais pas ce qu'il fout. Attends, je vais rester là. Parce que je dois répondre à un truc. Je dois répondre à un message en même temps, putain, le stress. Merde, ça se rapproche. Ça se rapproche. Là où il est pas là? J'ai plus le chat. Que j'ai répondu avec mon téléphone. C'est la panique. Alors j'ai une autre key. Attends, c'était quoi cette key? Storage key. Ah, ok.
J'avais déjà visité. Je l'entends, mais je sais pas où il est. C'est un truc de fou. Je pense qu'il n'existe pas, en fait. Il est plus dans une autre dimension, il est reparti, là. Storage KB. Je crois que tous les storages sont à cet étage-là, en plus. Ah, si, il est là. Attends. Il vient vers moi, là. Ouais, il vient vers moi. Je vais pas courir, hein, je vous le dis. Hein. J'ai pas envie qu'il me rattrape. Hein. Enfin, qu'il me court après, quoi. Ah merde, je suis déjà ici. Et je vois rien. Non, 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 reviens pas, reviens pas, reviens pas. Merde! Quel con, quel con, quel con. Mais elle est nulle cette lampe! Perché! J'avoue qu'il peut me repérer ouais, assez facilement avec tous ses yeux. Faire chier lui. Tout le storage cage. Ah, je suis sûr, il est par là. Est-ce que les portes restent ouvertes ou elles se ferment? Pourrais-tu partir? S'il te plaît. Hé, hey, l'autre, elle est derrière sa grille, là. Merde, oh, putain. J'ai dit derrière sa grille, il n'y avait rien. Oh, merde. Mais il ferme les portes, en plus, derrière lui. Ah, si, je vais là. Est-ce qu'il vient? Ah oui, là, il vient, merde. Je déconne. Blind! Blind! J'ai eu un trophée! Parce que je te tue derrière! Ah, il est reparti! Est-ce qu'il repart d'où il vient? Pas du tout! What? Putain, mais cet ennemi, il est improbable! Il est random! Je sais pas quoi en penser. Parce qu'il fait des trucs random, là il repart, mais il est toujours là. Il veut pas s'enfuir. Va dans, repars dans ta dimension. Putain, j'ai 40 PV quoi. Repars dans ta dimension, saloperie. Salut Guillaume, comment ça va? Ok, alors attends, faut réfléchir. Parce qu'il revient en arrière en fait, il reste dans le couloir principal. Je vais retrouver une astuce là. Infirmerie. Il est de l'autre côté là.
Ça va, il me repère pas à travers, il va pas me frapper. Bon, là, j'ai des batteries. Mais ça sert à rien. Je crois qu'il abandonne au bout d'une pile dans la gueule. Il y a un lance-roquette dans ce lycée. Dans tous les lycées japonais, il y a un lance-roquette de secours. Je crois qu'il repart. Je suis pas sûr. Mais je crois qu'il t'abandonne au bout d'une pile. Hein. Si tu lui mets une pile dans le visage. Ou j'ai de la chance, j'en sais rien. Bon, là, il y a le local électrique. Enfin, je pourrais juste ouvrir comme ça, voilà, pour dire que c'est ouvert. Peut-être faire que je navigue de classe en classe, là. Sketchbook. Et ça continue le jeu, hein, derrière. J'ai réussi à finir ma sculpture. C'est vraiment magnifique. Si seulement il n'avait pas mis une clé dedans, la sculpture. C'est asséché maintenant. Et le seul moyen, ce serait de la casser. Oh putain. Est-ce qu'on peut le faire du coup, maintenant qu'on le sait? Ah, storage B. Attends, je vais prendre du recul. Parce que je suis pas sûr. Là. Ouais, il revient par là. Ça, c'est le C. Bon, lui, s'il est un peu de distance, je suis pas sûr qu'il nous entend. Alors, attends, c'était le truc des sculptures. C'était par là. C'est les arts. Je sais pas ce que c'est. C'est celle-là? C'est faire du bruit, non? Ça va? Ça attire pas? Music room. Ne faisons pas de bruit. Genre taper dans un instrument de musique pour que ça l'attire. Skybotchan. On peut le prendre ça, non? Non, c'est juste un goodies. Ah, c'est pas une des pompes? Ah, mais peut-être que sa force, elle vient de la piscine, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il faut tout pomper et... Et du coup, il perd de sa force. Un truc comme ça. Alors, on s'attaque à sa barre de vie, en fait. C'est un délire comme ça. Non, pas de bruit. Dis pas que c'est la tirée. Deux sur quatre apparemment. Peut-être safe parce qu'on a la moitié du boulot. Ok. Tant pis même si je suis à 40 PV là. J'arrive à retrouver. La salle A en fait. Attends, il a bougé là, non? J'ai l'impression qu'il a bougé. Ah, c'était là, non? Non, il a bougé. Ah, il est peut-être allé vers le piano d'ailleurs.
généraliste là. Là j'ai visé la piscine. Mais non. Ah putain, il a pris le truc de... Ah, je suis obligé de le mettre là, alors. Lâche ça. Ah, il peut pas se protéger avec sa main, du coup. Je pense qu'il y a moyen de le tuer, là. Ah putain, il gueule. Boss battle. Lâche ça. Ah merde, y'a un truc au sol. Attendez. Y'a un truc au sol, y'a un truc au sol. Qu'est-ce que c'est ça? Ah mais c'est des batteries. Ah bah faut bien le combattre alors. Qu'est-ce que ça pas dans son dos? Y'a un truc à faire dans son dos. J'ai pas monté ton dos là. Je pense que ça c'est une batterie. Putain mais il gueule le bordel. Ah! Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Fire, comment ça, fire? What? Il a brûlé? Je sais pas, il a changé de couleur là, c'est dégueulasse. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Ouais, faut peut-être le geler en fait, ouais. Ouais, je pense qu'il faut peut-être le geler ou je sais pas quoi, mais c'était bizarre. C'est spécial la neige carbonique au Japon. Ouais, peut-être lui mettre de la neige carbonique dans la gueule, hein, j'avoue. En fait, la lumière lui fait rien du tout, lui il est trop fort. Ça le ralentit à peine. Ouais, je pense que c'est ça, il y avait une évolution. Il y avait une évolution alors qu'avec la lampe, ça faisait que le repousser vite fait. Attends, il est sur le chemin là. On a un petit problème là. Houston, on a un problème. Pour l'instant, la course, ça me sert. On n'est pas encore sur des ennemis qui viennent te fumer quand tu cours. Ok.
faut, attendez, je me fais pas avoir. Je prends l'extincteur avant. Et oui, j'ai lu le script. Ah, batterie full. Ok, on peut pas en avoir plus de 5. Ça au moins, ça nous donne une bonne idée de... que c'est pas possible de le tuer avec la lampe. Quoi. C'est bien que c'est des fire quoi. C'est chou. Fous-lui le feu. Après ça peut dire aussi tirer un fire. Mais... bah tu vas mourir là. Oh, t'as une couleur dégueulasse, toi. Ah, j'avoue, il change de couleur, j'ai l'impression, là, vraiment, là, il devient blanc, là. T'es en train de pourrir de l'intérieur, là. Non, c'est de la neige carbonique, en fait. A priori. Oh, il est pas bien. Mais c'est pas... c'est de l'azote liquide, c'est quoi, ce truc-là, là? C'est autorisé? C'est de l'azote liquide? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est de l'azote liquide. Ok. On s'en sort. Non, on va mettre l'électricité, je pense qu'on va pouvoir ouvrir le store en fait. J'ai déjoué tes plans, Anako. Bah elle est où là? Elle est où la miss? Yume. Qu'est-ce que... nos amis les araignées. Une bougie. Il y a d'autres bruits là. Il y a quelque chose qui est là. Hein. J'essaie de savoir où c'est, mais c'est soit au-dessus de moi. Ouais, c'est au-dessus de moi, j'ai l'impression. Mais le bruit, t'as l'impression que c'est bien d'ici, quoi. L'enfer. Elle est où, la Yume, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Putain de merde! Pour tous les amoureux des araignées. Putain, d'aurait dit... elle est morte ou pas? Non, elle est pas morte. Je suis pas sûr qu'elle puisse mourir. Merde, cul-de-sac. Ok. On aurait dit... comment ça s'appelle, la... Iruko. Iruko the Goblin, si vous connaissez. Super film japonais. Avec des gens qui ont... avec un démon qui possède les corps. Et qui les fait suicider et qui part avec leur tête en mode araignée. Tout va bien. Ok, bah là, je vais pas me gêner pour courir.
On peut avec ça? Non, peut-être pas. Il faudrait peut-être un truc plus puissant. Qu'est-ce que ce bruit? Alors, j'ai une bougie. Je suis pas sûr que pour l'instant ça soit efficace. Pour ça. Ok, batterie, c'est bon. Qu'est-ce que... Je peux pas le dire. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Arrête pas à rentrer. Si. Dégueulasse. T'es bien dégueulasse, toi. Hein. J'ai peur qu'elle puisse me voir à travers en fait. Photo de chat, ok. Useless. Putain, merde. Y'a personne? Putain, mais ça gueule de ouf! C'est trop. À se calmer là le volume là du jeu là. T'as dès qu'il y a un son aigu, je suis sourd quoi, je deviens sourd. Attends, j'ai chopé une clé, c'est quoi? Science room. Ah, faut que je redescende. Faire le tour. Hein. Ah d'accord. Des mannequins. Je peux passer. Ah non, ça c'est l'étage supérieur. Donc il me suit pas en bas. On va pouvoir aller direct. À la salle de science. Quoi? Il y a une autre ici? C'est pas celle-là. Infirmerie. Attends, je pense que c'est en arrière. De ça là, c'est ça. Wow, putain, il y a eu un ralentissement, mon gars. Ah, une pièce d'or. Une pièce d'or pour le raton de Dieu là que je prie pour rester en vie. Par contre, peut-être qu'avec une bougie, je reprends de la vie, non? Quand je suis dans la salle de sanctuaire, je vais essayer. Comment to put my hand in there? Mais tu mets ta main? Qu'est-ce que c'est que ces persos qui refusent de mettre la main dans le cambouis? Ça existe dans Silent Hill, ça. Silent Hill 3, la fille a fait non, mais je mettrai pas ma main là-dedans. Tu fais, mais t'es sérieuse? Si, tu veux mettre ta main? En plus, c'est une blague parce que dans le 2, le perso il est obligé justement de mettre sa main dans un trou pour aller chercher un item et tout ça. C'est dégueulasse, quoi. Il faut vider l'eau? Comment? Comment je vide l'eau? Hein? Je sais pas, prends le seau qui est là, là. Si tu veux pas te mouiller. Qu'est-ce que c'est que cette énigme à la con? C'est pas de l'acide. Il y a peut-être un truc qui a dévissé dessous, hein. On sait jamais, hein. Peut-être que c'est vicieux. C'est l'étage du dessous. Attends, on est en premier. Hein. Et ben, je peux pas y aller. Peut-être qu'il peut prendre maintenant. Non, en fait, c'est un problème de jeu.
géolocalisation du son dans l'espace là. T'as l'impression qu'il est là l'ennemi, en fait il est là-haut. Il y a un truc là-haut. On va revoir un à coup. C'est dommage hein, qu'on comprend pas le japonais parce qu'il y a plein de petits trucs à la con à regarder. Ok. Modcaster. Librairie. Ah, ça monte encore? Un quatrième? La team. Je sais pas quoi. La team Boubou. Ouais, c'est du manga là. Oh là, y a une grosse paire de nénés là, classique. Y'a rien à. Rien à en tirer. Bon. L'air compliqué cette histoire. Putain, les couloirs des enfers quoi. Ah, on est revenu là. On est revenu dans les toilettes de l'enfer là. Nako, sors de là. Je sais où tu te caches. Jorogumo, tu es jolie. J'ai grandi en entendant ça. J'avais beaucoup de chance. Une famille aimante. Des amis, on va dire, qui m'aimaient bien, quoi, sincères. Qui n'étaient pas jaloux de moi. Des mecs qui étaient. Comment dire ça? Fancy, c'est quoi? Fancy me. Qui lui faisait tous ses petits caprices, non? C'est ça? Qui se pliait à ses cas de volonté? Fantasy? Bah, je suis pas sûr que c'était Fantasy. Caprice. Qui s'exécutait à tous ses caprices. Même si je suis né joli. Parce que je pense que c'est une fille. Et je faisais toujours des efforts pour être encore plus joli. J'ai travaillé dur et j'ai appris common sense of elegance, c'est ça? J'ai appris comment être, comment dire des mots élégants, comment bouger et devenir bien cultivé, très cultivé. Et j'ai trouvé l'homme qui me correspondait. D'accord. Ah, les chaussures! C'est une autre œuvre là de chez She Arts. Hein. Les chaussures, on peut les mettre en bas. C'est quoi ça? Cafétéria. Ah, mais est-ce que je peux passer? Faut que je mette la clé dans le mannequin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois qu'il y a un enfant qui s'est perdu. Il y a une gaijin là. De Gaijin, non? Ah,
je crois que j'ai fait le tour du coup. Mais du coup, on a de l'avancement. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Alors, du coup, il y a les chaussures qu'on peut les mettre en bas. Ça peut être une bonne idée. Et l'autre, c'était quoi déjà? Café extérieur. Ah, ça, c'est au deuxième. C'est dans l'entrée. Qu'est-ce qui va se passer? Ah d'accord. Librairie Kay, ok. Ok, on avance, on avance. Je vais peut-être faire une save intermédiaire quand même. Que, quoi, qu'est-ce que ce soit. Putain, il a accéléré là. Est-ce qu'il a dû m'entendre? Ça me fait peur ce con là, accéléré tout seul comme... Comme un fifou. Je prie le dieu de la fortune. Donnez-moi de l'argent. Non, c'est pas ça. Sauvegarder ma partie.